Vanaf 8 mei kan u op de site van Touren Taxi in Brussel gaan kijken naar een nieuwe circusformatie Salto Natale die in ons land zal halt houden. Met de productie van Sinfonia wil het Zwitserse circusgezelschap zichzelf overtreffen. Aan Guy Caron, regisseur van Sinfonia, vroeg ik wat Sinfonia ging worden. Bien, c'est que c'est pas un cirque comme les autres, on pourrait dire. C'est un cirque qui est différent. Parce que j'ai voulu essayer de prendre toutes les formes d'art qui existent sous lesquelles le thème du comique s'inspire. C'est-à-dire le musical, le clown au cirque, le théâtre, les comédiens, la danse. Alors j'ai fait une parodie de danse classique. Alors tout ce qui pouvait être humour, j'ai tout rassemblé ça autour du thème du cirque. Alors c'est sûr qu'il y a toujours eu de l'humour au cirque, mais dans ce cirque, il est construit avec 23 artistes qui, eux, s'adonnent à l'humour pendant tout le spectacle. Alors c'est là un peu la différence de faire juste un spectacle de cirque avec quelques pointes. Celui-là, il est du début jusqu'à la fin avec son directeur qui est un petit peu foufou, quoi. Alors on s'amuse pendant 2 heures. Ceci n'est pas un cirque, dat is de baseline van het circus. Grégory Knie, de producer van Sinfonia, legt uit. Because first of all, you won't see any animals. There will be no floor like you usually see in the circus. It's going to be a stage with a lot of show effects, like with a lot of sound, light effects. So it's not really the environment of a circus, more than a show, I would say. Now, circus, and certainly in Belgium, has a revival. What do you think is the main reason of that? Maybe you can answer that better than me, because I don't know the Belgium so much. But I think the important thing is that we try to invent something new again, because the people, are tired to see the same old things again. So we tried our best to make this a new show that will have lots of surprises for you guys. Naast artiesten en het décor is Guy Caron ook op zoek gegaan naar schitterende muziek. Bien sûr, j'ai voulu essayer d'utiliser toutes les musiques classiques, mais de les rendre plus modernes. Alors souvent je les parodie, souvent je les utilise très très bien, comme c'est un des fondements des numéros. C'est une expérience musicale, tout à fait, du début jusqu'à la fin, parce que bon, dans un opéra, la musique est très importante. Les paroles dans ce spectacle ne sont pas importantes. Mais c'est surtout tout le côté Spike Jones. Spike Jones était un grand musicien qui parodiait beaucoup les musiques classiques avec humour. Et j'ai décidé d'aller dans cette direction. Mais il n'y a pas que ça. Exemple, j'ai une version de Carmen, mais rock'n'roll un peu, mais qui commence au début très classique, mais qui s'en va vers autre chose. Mais toujours en relation avec ce qui se passe sur la scène. C'est là la théâtralité. La théâtralité, c'est d'utiliser le moment et de pouvoir l'imprégner avec un support musical. Et ça, c'est très important pour tout spectacle. Dit wondermooie voorproefje willen we zeker en vast niet onthouden. Waarom moeten mensen volgens Grégory Knie naar Sinfonia komen kijken? Okay, if you guys want to have fun for a night and see something very special, which is not a traditional circus, then I hope I will see you at Salto Natale with the new show Sinfonia. Sinfonia vanaf 8 mei in Brussel.